Prier par l'esprit, c'est prier, selon ce contexte de 1 Corinthiens 14, c'est prier, c'est la prière en langue. Parce que Paul dit, quand tu pries en langue, tu dis des mystères. Hein? C'est à l'esprit qu'on prie aussi des mystères. Personne ne le comprend. Voilà. Ben, tu peux prier silencieusement dans ton cœur et Dieu va entendre. Prier dans l'esprit. Selon le contexte de 1 Corinthiens 14, prier, la prière en esprit, c'est la prière en langue. Voilà. Et bien sûr, quand même, quand on prie en français, dans une langue connue, ce qu'on appelle la langue vernaculaire, ou visuelle, on doit aussi quand même prier avec l'esprit. Parce que si tu ne pries pas par l'esprit, c'est-à-dire si ta prière n'est pas inspirée, Dieu ne pourra pas l'exaucer. Mais la prière en esprit, selon le contexte de 1 Corinthiens 14, c'est la prière en langue. D'accord ?